Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette d'aujourd'hui, je vous présente comment je fais ma sauce copé. Copé même traditionnelle, la même là, c'est ça. Donc j'aurai besoin de la peau de bœuf, un peu de poulet fumé, un poisson main sec et des crabes. Ensuite, des gombos frais, de l'huile rouge, des crevettes et moins séchées, ça je vais les piler pour les rendre en poudre, oignons, tomates, piment et un peu de sel. Donc on y va pour la préparation. Ici je viens rajouter mes morceaux de poulet, crabe et tout ce qu'il y a fait cuit, du sel, de l'eau. Puis on va laisser bouillir pendant longtemps. Je couvre et on laisse bouillir pendant longtemps. Ici, pendant que ma sauce est en train de bouillir, j'ai déjà nettoyé les gombos que je vais les râper ou les découper. Donc ici, quand c'est prêt, je rajoute oignon, piment et tomates. Maintenant, dans le gombo que j'ai découpé, je vais venir rajouter un peu de sel. J'ai déjà rajouté du bicarbonate. Et puis, je rajoute de l'eau, juste un peu d'eau. Et on va laisser cuire les légumes, les condiments. On va laisser cuire aussi le gombo. Je vais retirer oignons, piment et tomates pour les hacher. Voici la pâte obtenue que je vais renverser ici. Et puis j'ai pilé les crevettes secs et moins secs. Je vais ensuite les renverser dans le gombo ici. Le gombo est bien frais ici, bien. On va laisser celui-ci à petit feu. Et ce gombo là, il est prêt, on va le taper comme ça. Pour pouvoir casser les gros morceaux de gombo qui pourraient se trouver dans le mélange. Là, mon gombo, il est prêt. Ma sauce copé, elle est prête. On va laisser refroidir un peu, puis à rajouter de l'huile rouge hors du feu. Ça aussi, c'est une autre manière de le faire. Sinon, vous pouvez rajouter directement l'huile rouge dans la sauce et puis ça va bouillir avec la sauce. C'est comme ça. Je passe maintenant à mon cabato. Mon cabato jaune. Pour tous ceux qui veulent voir comment je fais le cabato, je vais mettre la recette en bas d'infos ou vous pouvez voir dans ma playlist. Vous verrez comment transformer le manioc jaune en cabato. Donc ici maintenant, je viens rajouter l'huile rouge. Je vais mélanger, bien mélanger. Okay. Voici le mélange obtenu. Je renverse le jus de l'autre sauce dedans. Vous pouvez tout renverser, ça dépend de vous. Si vous voulez votre combo plus lourd, ça c'est copé même original, copé villageois. Et puis c'est ok. Est-ce que vous voyez cette belle couleur même? Je vais renverser la sauce dans mon gros talier. Mélanger le tout maintenant. Ça donne un bon copé. Maintenant ici, je viens râper un peu d'oignon, oignon frais. Ça va parfumer ça. Oh. Donc les amis, la sauce est prête. On va passer au dressage et je vous reviens. D'abord, je vais finir avec mon cabato et puis à tout à l'heure. Ok les amis, voici le résultat de mon plat.
Les amis, on se dit 1, 2, 3 et go! Quand on mange dans la casserole, on va de la mamie comme ça, de façon que c'est tout. Mon tabato, mon copain. Copain de la joie. Le poulet fumé là. Ça c'est. Ça c'est le poulet. Regardez-moi ça. C'est là son coucher. Bye bye, à bientôt. N'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Je vous dis bye bye, à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye.